Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Farandole. Farandole, c'est un jeu de dextérité, de mémoire et de rapidité pour 1 à 4 joueurs de 5 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans Farandole, on va essayer de construire des phares. Vous voyez qu'on a plein de modèles de phares différents. On va jouer avec un seul modèle de phare dans la partie. On va, gagner, on va constituer des phares pour remporter des points de victoire. En général, c'est celui qui a été le plus vite qui va remporter le point de victoire. On va jouer 5 manches de difficulté croissante que je vais vous expliquer maintenant. Pendant la première manche, on va donc avoir nos pièces devant nous et avoir ce phare, et les deux joueurs vont simultanément construire leur phare. Donc on va tout simplement placer les pièces une par une. Il faut bien penser à placer son gardien du phare sur l'île, et on va tout simplement empiler les pièces une par une pour essayer de constituer son phare. Comme ceci, le premier joueur à arriver à constituer son phare remporte un point de victoire. Ensuite, on va déconstruire notre phare et passer à la deuxième manche. Pendant la deuxième manche, on va jouer de la même manière en ajoutant un sablier. Et il faut avoir fait son phare dans l'étang du sablier de 30 secondes pour remporter un point. Donc les deux joueurs vont pouvoir remporter un point. Pendant la troisième manche, on va placer un masque devant notre phare, car c'est la nuit. Et alors là, il va falloir le reconstituer de mémoire, encore une fois le plus vite possible. Donc euh, par exemple, là je ne sais plus tellement ce que c'est, mais en tout cas c'est le premier à réussir son phare qui va gagner. Cependant s'il se trompe, eh ben, on va regarder l'autre joueur et on va révéler petit à petit comme ceci si le phare est bon. S'il est bon c'est le joueur qui l'a fait en premier qui a le point. Pour la quatrième manche c'est la même chose mais avec le sablier. Et pour la cinquième manche... Nous allons tout simplement mélanger toutes nos pièces avec le matériel de jeu et on va jouer en récupérant nos pièces dans le matériel de jeu, dans le reste du matériel de jeu. Et donc il va falloir utiliser la boîte, par exemple le fond de boîte, pour, euh, pour jouer. De la même manière, ce sera caché et vous devrez, bien entendu, vous souvenir de tout ça. Au terme des cinq manches, c'est celui qui a accumulé le plus de points qui remporte la partie. Vous allez pouvoir jouer en solo ou alors en équipe. Lorsque vous jouez en équipe, eh bien, il y a un joueur qui va passer des pièces à son voisin qui va construire. Voilà pour Farandol, c'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir construire une grande variété de phares, vite et bien non seulement, mais aussi en vous rappelant bien de sa structure. Maintenant, c'est à vous de jouer.